que la coloration d'un graphe, des points reliés par des lignes, la coloration d'un graphe, c'est affecter les couleurs au sommet du graphe. On veut que deux sommets adjacents soient de couleurs différentes, toujours. Alors, on pourrait faire ça en donnant à chaque sommet une nouvelle couleur, et on cherche à minimiser le nombre de couleurs. C'est un problème qui date du 19e siècle, extrêmement étudié. Et là, vous voyez que ce graphe-là, par exemple, je peux le colorier avec trois couleurs. C'est pour ça qu'on dit que chi, qui est le nombre maximal de couleurs qu'on peut trouver, est égal à 3. Vous avez un autre paramètre de graphe qui est moins connu, qu'on appelle oméga, qui est ce qu'on appelle la taille de la plus grande clique. Une clique dans un graphe, c'est des sommets qui sont deux à deux adjacents, tous qui sont adjacents tous ensemble. Et par exemple, vous voyez que ces trois sommets ici forment ce qu'on appelle un triangle. Ils se voient tous, ils sont deux à deux adjacents. Et dans un graphe, un problème assez étudié aussi, c'est la recherche de la plus grande clique, le plus grand nombre possible de sommets adjacents. Ici, vous voyez que c'est 3. Sur ce graphe-là, il se trouve que les deux paramètres sont égaux. On peut pas trouver 4 sommets deux à deux adjacents. Là, je vous ai montré un autre graphe, le cycle à 5 sommets. Vous avez besoin de 3 couleurs pour colorier. Si vous essayez avec deux, vous allez faire bleu, rouge, mais là vous êtes coincé pour une raison de parité, vous êtes obligé de mettre une troisième couleur, qui égale 3, mais si vous cherchez des sommets 2 à 2 adjacents dans ce graphe, vous ne pouvez pas en trouver plus que 2. Oméga égale 2. Je voulais vous mettre une petite relation ici, un théorème en fait, qui est assez évident, c'est que qui est au moins égal à oméga pour tout graphe. Puisque si vous avez des sommets 2 à 2 adjacents, si vous en avez 5, par exemple, évidemment, vous avez 5 couleurs pour les colorier cela. Donc, chi est supérieur ou égal à oméga. Et le sujet principal sur lequel je travaille, c'est l'étude des graphes où on a égalité entre ces deux paramètres, qu'on appelle les graphes parfaits. Et c'est un sujet informatique, parce qu'il y a énormément de questions algorithmiques sur ces graphes. Est-ce qu'on peut les colorier rapidement ? Est-ce qu'on peut trouver ce nombre oméga rapidement, etc. C'est des questions techniques, voilà, où il y a une communauté de chercheurs dessus. On appelle ça, si vous êtes intéressé, ça s'appelle les graphes parfaits. Il y a une page Wikipédia dessus, il y a tout un tas d'informations. J'ai décidé de ne pas trop vous parler de mes recherches, ou même de recherches de collègues. Si dans votre fort intérieur, vous trouvez que c'est vraiment intéressant d'entendre parler de ça, ben faites-en profiter vos élèves plutôt, et invitez des chercheurs privés. Les chercheurs peuvent venir dans les classes, parler, raconter ce qu'ils font. Il y a tout un tas de choses vraiment passionnantes. Ah, j'ai un petit problème, vous voyez. C'est intéressant que j'ai ce message. Vous savez ce que c'est ? Pardon ? Non, mais il sait. C'est pas le problème. Pas le problème, il veut en parler. Oui, c'est totalement par hasard, c'est intéressant parce que c'est mon logiciel que j'utilise pour crypter mes emails. Et justement, je voulais vous parler un peu de cryptographie. C'est vraiment une coïncidence incroyable. Oui. Pas maintenant. Bon voilà, donc je vais plutôt vous parler de concepts issus de l'informatique. Donc je vais essayer d'adopter un point de vue un peu concret là-dessus. Je sais que quand on est prof de maths, une question qu'on a souvent de la part de ses élèves, c'est à quoi ça sert ? L'élève n'a pas envie de faire ses exercices et se demande à quoi ça sert tout ça. Alors évidemment, je pense qu'on sait tous ici que ça sert à plein de choses. Je pense qu'avec l'informatique, on n'aura pas cette question. Tout le monde sait bien que l'informatique, ça sert à quelque chose. Par contre, on a une question qu'on n'a pas en maths, c'est oui, mais est-ce que c'est un savoir, une science, etc. Donc plutôt que de débattre là-dessus, je me suis dit, je vais montrer des jolis concepts issus de l'informatique, et ça fera apparaître assez clairement que c'est une belle et grande science que l'informatique. Donc, ce que je vous dis tout de suite, les concepts dont je vais parler, dissymétrie entre oui et non, complexité algorithmique, algorithme certifié, dualité. Si vous savez ce que c'est, vous allez peut-être les reconnaître plus tard. Si vous ne savez pas, tant mieux. C'est justement ce qu'on va voir.
Justement, je vais vous parler de cryptographie. Donc un problème très concret, vous avez Alice et Bob, deux personnes, qui veulent communiquer, qui veulent s'envoyer un message, mais ils ne veulent pas que le facteur, la personne qui transporte le message, puisse lire. Donc on va parler de ce problème dans l'ancien monde d'abord, c'est-à-dire avant l'informatique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah Alice, elle met le message dans une boîte et elle met un cadenas sur la boîte. Elle l'envoie, donc le facteur ne peut pas ouvrir le cadenas. Malheureusement, Bob reçoit la boîte et ne peut pas non plus ouvrir le cadenas, puisqu'il n'y a que Alice qui a la clé. Bob rajoute un cadenas et renvoie la boîte à Alice. Il y a maintenant les deux cadenas sur la boîte. Alice, elle enlève son cadenas et renvoie à Bob, qui n'a plus qu'à enlever son cadenas. Donc c'est très astucieux, parce que Alice et Bob n'ont pas à s'échanger les clés, et le facteur, à aucun moment, il peut ouvrir la boîte. Donc c'est très simple, juste il y a un coup que le message doit circuler trois fois au lieu d'une fois, mais c'est assez sûr. Donc on se dit, on va faire ça de manière informatique. Donc le message, maintenant, sur un plan informatique, le message, c'est simplement un nombre très très grand, qu'on peut coder, A c'est 1, B c'est 2, etc. On écrit ça comme un grand nombre, et on veut envoyer par voie électronique ce nombre à un correspondant. Donc comment mettre un cadenas ? Il n'y a pas de boîte en informatique. Je ne peux pas mettre mon message dans une boîte. Par contre, je peux le brouiller. Il y a un moyen très simple de le brouiller, vous imaginez, vous avez ce très très grand nombre, si je prends un autre nombre, Alice choisit un autre nombre, choisit totalement au hasard, et elle additionne les deux. Donc avec, si je vous donne la somme de deux nombres, c'est absolument impossible de deviner quels étaient les deux nombres. Donc avec la somme des deux nombres, c'est une clé de codage, une clé de cryptage, A, et elle envoie A plus N. Et Bob reçoit le message A plus N, qu'il ne peut pas lire. Bob va lui aussi mettre un cadenas. Il choisit un truc B, il met son cadenas, il brouille le message encore, et il le renvoie à Alice. Alors Alice, elle connaît A, elle peut soustraire A, et elle renvoie à Bob M plus B. Et donc, apparemment, c'est sûr. Donc un espion qui aurait vu passer les trois messages, peut-être que certains voient le problème, c'est qu'un espion qui voit passer les trois messages, Bob peut lire le message. En fait, qu'est-ce qu'il voit passer ? Il voit passer M plus A plus B et M plus B. Mais avec ces trois trucs, c'est extrêmement facile de retrouver M. Donc le cadenas, chaque cadenas individuellement, c'est un phénomène qu'il n'y a pas avec les cadenas physiques. Chaque cadenas individuellement est correct, mais la réunion des trois cadenas, et plus on met de cadenas, plus c'est facile à décoder en fait. Parce que avec M plus A, M plus A plus B, M plus B, ce système, je vous épargne le calcul, il est très très simple à résoudre. Et on retrouve M, A et B. Donc l'espion, il a tout sous les yeux. Donc c'est pour vous dire que la cryptographie, c'est un truc un peu dangereux, quoi. Avec une idée simple, on arrive à un truc qui est très très mauvais, quoi, qui ne marche pas du tout. Voilà. C'est intéressant ce petit protocole parce que ça fait intervenir finalement un système d'équations très simple à résoudre. Ça peut peut-être être investi avec des élèves, des collèges. On pourrait se dire on va être plus intelligent que faire des additions. On va faire des multiplications plutôt. On va multiplier les messages. Évidemment, on a exactement le même problème. C'est-à-dire que quand vous avez ce système avec des divisions, vous allez retrouver. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'en cryptographie, les nombres premiers ont une grande importance. C'est intéressant les nombres premiers parce que si je prends deux nombres premiers très très grands, c'est assez facile de les multiplier. Mais à partir du résultat, c'est très dur. Alors, quand je dis c'est très dur de retrouver les deux nombres premiers. C'est-à-dire, il suffit de factoriser. Mais factoriser concrètement avec des nombres qui font plusieurs centaines de chiffres, c'est des calculs qui sont très très coûteux et qu'on ne sait pas faire en pratique. Tandis que multiplier des nombres de centaines de chiffres, à la limite, à la main, si on prend 3-4 jours, on y arriverait peut-être. Ouais. Je sais pas, mais avec un ordinateur, c'est très simple. Donc on pourrait se dire, je vais prendre des nombres premiers, je vais les multiplier, comme ça la personne, quand elle voit passer les messages, elle ne peut pas refactoriser et retrouver les facteurs. Mais là, c'est pareil, c'est vrai que si je donne MA, M fois A,
très dur de retrouver M et A. Si je donne M fois A fois B, c'est très dur de retrouver M, A et B. Si je donne N et B, c'est très dur de retrouver. Mais sur un plan collectif, c'est extrêmement simple. Vous voyez que le message secret qu'on voulait cacher, c'est en fait le PGCD de X, Y et Z. Voilà. Donc encore une fois, on a un code qui est complètement nul, ça ne marche pas du tout. Donc si on réfléchit un peu à ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on veut, on voulait simuler les cadenas en fait. Donc un cadenas, c'est quoi? C'est une fonction qui transforme un nombre en un autre nombre. Et ce qu'on voudrait, c'est que cette fonction elle soit facile à calculer, parce qu'on a envie de coder de manière rapide et concrète, mais on voudrait que son inverse, c'est-à-dire redécoder, soit difficile. Alors des fonctions comme ça, ça existe. Hein. Prendre un nombre premier, le multiplier par un autre, c'est facile. Refaire dans l'autre sens, c'est difficile. Mais seulement, on veut qu'il y ait des propriétés un peu collectives de différentes fonctions comme ça. On voudrait qu'il y en ait deux, déjà, celle de Alice et celle de Bob. On voudrait qu'elles soient inversibles, faciles à calculer. On veut qu'elles commutent, en fait. On veut qu'elles commutent parce qu'on veut qu'après le codage de Bob, on puisse faire le décodage de Alice. On veut qu'elles aient des bonnes propriétés comme ça. Et on veut que connaître les messages qui passent ne permette pas de rapidement... On sait faire d'autres choses qui permettent de... On sait faire d'autres choses qui... Alors je vous donne quand même un vrai algorithme. Je pourrais, embêtant, vous donner que des trucs qui ne marchent pas. Je vous donne quand même un truc qui marche, qui est un peu, qui est plus compliqué évidemment que ce que je vous ai dit. Donc ce qui peut marcher pour faire de l'échange sécurisé, qui est utilisé dans les protocoles Internet, c'est de prendre un groupe multiplicatif, donc Z sur PZ, et vous allez calculer modulo un nombre premier P en faisant des multiplications. Donc vous prenez P très très grand, pour que les calculs soient un peu difficiles, vous choisissez un élément séparateur G, générateur G, et Alice envoie à Bob G puissance A, avec A choisi au hasard. A, un nombre entier, choisi au hasard. Vous allez me dire, est-ce que c'est facile de calculer G puissance A? Oui, c'est assez facile, parce qu'il y a des algos rapides pour ça. Déjà, vous réduisez modulo P à chaque étape, donc vous n'avez pas des nombres qui deviennent vraiment trop grands. Puis ensuite, vous avez des astuces du genre, si vous calculez G puissance 1000, vous n'allez pas faire 1000 multiplications. Donc, une fois que vous avez G puissance 500, vous avez juste à l'élever au carré, vous divisez vos calculs. Et il y a des algorithmes d'exponentiation rapide qui permettent de calculer G puissance A très vite. Bob, il envoie G puissance B à Alice, avec B choisi au hasard aussi. Et là, on remarque que Alice, elle peut calculer G puissance B, elle peut l'élever à la puissance A. Ok, la puissance, c'est facile. Et donc, elle se retrouve avec G puissance AB. Mais Bob, il peut élever G puissance A à la puissance B. Pour faire ça, il faut connaître B. Hein. C'est-à-dire que Bob, Alice utilise vraiment qu'elle connaît le nombre A, et Bob utilise vraiment qu'il connaît le nombre B. Et avec ça, ils arrivent à mettre un truc en commun qui est G puissance AB, un nombre secret qui se partage. Et ce nombre secret, il peut servir de décryptage. Alors vous allez me dire, l'espion, il a vu passer G puissance A, il peut peut-être recalculer A à partir de ça. Alors j'ai une puissance et je peux calculer l'exposant, ça s'appelle un logarithme. Mais celle-là, c'est ce qu'on appelle le logarithme discret. On est dans un groupe fini, on n'est pas avec des nombres réels. Et calculer le logarithme discret, ben en fait, c'est un problème qui, sur le plan computationnel, est extrêmement difficile. Il n'y a pas d'algorithme rapide pour le faire. Donc en fait, Alice et Bob auront un nombre secret qui se partage, et ils peuvent de manière sûre maintenant utiliser ce nombre secret comme décryptage pour s'échanger des messages. Donc ça, c'est l'algorithme d'échange de clés de Diffie-Hellman, qui est un algorithme qui est utilisé quotidiennement par, dans l'Internet. Alors évidemment, on ne se rend pas compte que pour l'ordinateur, il faut tout ça. C'est très très utilisé. Et ça repose sur la difficulté du logarithme discret. C'est assez vicieux, hein, comme truc. Donc là, voilà. Donc là, j'ai un peu fini avec le début de ce que je voulais vous raconter. C'est-à-dire que c'était juste pour vous dire qu'avec des problèmes assez actuels d'informatique, en fait,
des choses dont j'ai entendu parler au premier exposé, comme l'algorithme calculé des PGCD, on a vu l'algorithme de QI, donc on résout des systèmes linéaires. C'est des choses qui ont une grande importance en informatique. Et je voulais vous parler un peu plus de ça. Je voulais vous donner le point de vue de l'informaticien sur ces objets. Donc, calcul du PGCD, résolution de système, le point de vue de l'informaticien et les concepts typiquement informatiques qu'il y a derrière ces objets. Pas seulement le détail de l'exécution des algorithmes, etc. Donc d'abord, le PGCD. Alors c'est difficile d'en parler, c'est difficile de parler de ça en l'air. Donc je voulais juste rappeler pour qu'on sache de quoi on parle l'algorithme de QI, sous une forme assez ramassée. Ça, pour moi, ça résume ce qu'est l'algorithme de QI. Donc vous voulez calculer le PGCD de A et B. Alors si A est égal à 0 ou B est égal à 0, 0, ça a des... Il faut toujours se méfier avec 0, parce qu'on a le droit de diviser par 0, mais on a le droit de prendre 0 et de le diviser par quelque chose. Ça fait 0. Donc 0 a plein de diviseurs, en fait. Donc les diviseurs de 0 et A, ben c'est tous les diviseurs de A. PGCD de si A ou B est égal à 0, ben le PGCD de A et B, c'est le maximum de A et B. Bon, je m'excuse, il ne faut pas que les deux soient égaux à 0. Bon, ça marche pas. Mais si un des deux n'est pas égal à 0, c'est correct. Ça peut être une première étape de l'algorithme. Si un des deux est 0, ben je réponds l'autre. Bon, il y a le problème quand ils ne sont pas égaux à 0. Donc là, vous savez qu'on fait la division euclidienne de A par B. On obtient un quotient et un reste. Et le PGCD, on a remplacé le problème compliqué du PGCD de A et B par un problème plus simple, qui est le PGCD de B et R. Et comme R est plus petit que B, en fait, on est sur une instance plus simple. Cette instance plus simple, on la calcule par la même méthode, et on fait une suite de divisions euclidiennes. Ça, vous pouvez le rentrer tel quel dans un langage de programmation comme Python ou n'importe quel langage impératif. Vous écrivez ça, ça vous sort le PGCD. La fonction s'appelle elle-même. Les langages informatiques savent s'y retrouver. Donc on a un bel algorithme bien simple. Vous allez me dire, ben voilà, fin de l'histoire, on s'est calculé, pourquoi continuer à se casser la tête? Bon, on va continuer à un peu se casser la tête. Je voulais vous faire remarquer une petite remarque, c'est que PGCD de B et R, c'est ce que je calcule à l'étape principale de mon algorithme. On va faire une hypothèse, on va supposer que c'est une combinaison linéaire de B et R. Alors combinaison linéaire, je veux dire combinaison linéaire à coefficient entier. Ça va être XB plus YR avec X et Y coefficients entiers relatifs. Si vous avez cette propriété, ben cette propriété est sérique pour A et B, puisque A c'est une combinaison linéaire de B et R. Des combinaisons linéaires, des combinaisons linéaires sont des combinaisons linéaires. Donc vous héritez le fait que le PGCD c'est une combinaison linéaire de ce que vous calculez. Alors hériter c'est pas suffisant, je suis en train de faire une preuve par récurrence en fait, il faut faire la base de la récurrence. Vous pouvez faire la même remarque que le max de A et B. Alors, je ne suis pas en train de dire que la fonction max est linéaire, mais le max de A et B, c'est un nombre bien concret qui est évidemment une combinaison linéaire de A et B. C'est soit A, c'est 1 fois A plus 0 fois B, soit c'est B. Donc en fait, avec cet algorithme, l'algorithme prouve que le PGCD de deux nombres, c'est une combinaison linéaire de ces deux nombres. Et là, vous avez reconnu ce qu'on appelle le théorème de Bézout. Bézout, pardon, qui a un accent sur le E, qui dit que le PGCD de A et B, c'est une combinaison linéaire à coefficient entier de A et B. Donc déjà, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que vous avez une très forte intrication entre la preuve et l'algorithme. C'est quelque chose que je trouve très très beau, d'avoir intrication entre la preuve et l'algorithme. Mais il y a une deuxième chose, encore plus extraordinaire. Prenez tous les diviseurs de A et B, les diviseurs communs de A et B. Donc c'est un paquet de nombres. Il y a sûrement un dedans, puis il y a plein d'autres nombres, je les ai représentés par les petites étoiles rouges comme ça. Maintenant prenez les combinaisons linéaires de A et B, à coefficient entier, c'est d'autres nombres.
sont représentés par d'autres étoiles rouges. Mais les diviseurs de A et B sont tous à gauche et les combinaisons linéaires sont toutes à droite. Pourquoi ça? Parce que si je divise A et B, bah je vais diviser toute combinaison linéaire de A et B. Donc si je divise, je suis inférieur en particulier. Et donc, vous vous retrouvez avec ce schéma qui est d'un côté, j'ai les diviseurs à gauche, et de l'autre côté, à droite, j'ai les combinaisons linéaires. Et ça ne se croise absolument pas. Tout diviseur est inférieur à toute combinaison linéaire. Donc si par miracle, j'ai un nombre qui est commun aux deux, ben je sais forcément que c'est le plus grand diviseur commun et que c'est la plus petite combinaison linéaire. Ça ne peut pas être un autre. Les deux ensembles... Donc, diviseur, IGCD, j'ai un problème de maximisation. Combinaison linéaire, ben imaginons que je cherche la plus petite. J'ai un max qui est inférieur à un min. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est exactement ce qu'on avait fait au début avec nos graphes, où on avait le nombre chromatique, où je cherchais un min, je cherchais à minimiser un nombre de couleurs pour colorier, et d'un autre côté, je cherchais à maximiser le nombre de sommets 2 à 2 adjacents. J'ai un min plus grand qu'un max. Donc en fait, ce que font ces collègues à moi et moi-même à essayer de colorier ces graphes, si vous voulez, et à supposer qu'il doit y avoir une manière efficace de colorier ces graphes, c'est en fait, ça tombe sous la juridiction, disons, d'un grand principe qu'on appelle le principe de dualité, qu'on voit aussi à l'œuvre dans le théorème de Bezout, dans l'algorithme de Thun. Pourquoi dualité? Vous avez deux problèmes, la nombre chromatique et clique, la diviseur et combinaison linéaire, qui sont duo l'un de l'autre. Donc, alors, je ne vais pas définir ce qu'est un dual. Si vous avez fait de la programmation linéaire, c'est là qu'on voit en toute généralité cette notion duale. Maintenant, c'est assez intéressant de voir qu'un truc simple comme l'algorithme de Thun, en fait, tombe sous cette juridiction. Alors un deuxième truc important, je me rappelle à l'exposé précédent, on vous a parlé de preuves de programme. Il y a un truc très angoissant si on fait un peu de programmation, alors à n'importe quel niveau, dès qu'on commence à bidouiller jusqu'au type qui passe toute sa vie à programmer, on passe son temps à faire des erreurs. C'est un phénomène vraiment très très bizarre, parce qu'on n'est pas si bête quand même. Pourquoi est-ce qu'on fait tout le temps des bugs dans les programmes? Je ne sais pas, je suis pas psychologue, je n'ai pas d'explication à ça. Mais tous les programmeurs font des bugs. Alors quand on fait quand on calcule des PGCD, on peut vivre avec. Si on fait des marchés des TGV, des centrales nucléaires, des avions, c'est beaucoup plus angoissant de se dire qu'on est en train de faire des bugs. Et donc il y a toute une branche de l'informatique qui travaille sur la sécurisation des programmes, les preuves de propriété du programme. C'est extrêmement difficile de prouver des choses sur un programme. Un programme, c'est un objet. C'est un objet qui est compliqué, un programme ou un algorithme, par rapport à un nombre, à une fonction. On fait tous des maths, un nombre, on a des idées bien claires sur ce que c'est. Un algorithme de la vraie vie, en plus, qui est vraiment dans l'ordinateur, qui tourne avec peut-être une panne de courant, c'est un objet très très complexe. Et là, si vous calculez des PGCD, il y a un truc qui est remarquable. C'est que si vous faites votre programme proprement, il va vous sortir le PGCD, mais si vous le programmez soigneusement, il peut aussi vous sortir la combinaison linéaire. Parce que cette combinaison linéaire, on a prouvé son existence par récurrence. Donc en backtrackant, on peut retrouver effectivement la combinaison linéaire. Et bien, imaginez vous travaillez avec des nombres gigantesques, votre programme a tourné des heures, peut-être qu'il y a eu une panne de courant, peut-être qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Mais à la fin, il vous sort un diviseur commun. C'est très facile de vérifier que c'est un diviseur commun. Il vous sort une combinaison linéaire. C'est très facile de la vérifier, juste de vérifier que AU plus BV, ça fait bien 63. Et il suffit de vérifier qu'il y a l'égalité entre ces deux nombres pour être sûr que c'est le maximum des diviseurs et le minimum de la combinaison linéaire. Donc votre algorithme, il donne une réponse qui se certifie d'elle-même. Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant.
Si vous avez la chance de travailler sur un problème beau et simple comme le DGCD, où vous avez un min égal à un max, et ben vous êtes certain que ce min et ce max sont la bonne réponse juste en regardant la réponse. Vous n'avez pas besoin de vérifier les calculs. C'est tout à fait intéressant comme propriété. Alors malheureusement, évidemment, tous les problèmes ne sont pas aussi remarquables que le PGCD. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des problèmes qui se certifient au début. Ah oui. Alors un petit truc dont je voulais parler aussi à propos de l'algorithme d'Euclide, est-il rapide? Alors vous avez un théorème, en gros, à chaque étape, enfin pas à chaque étape, mais je crois que c'est facile de montrer que toutes les deux étapes de l'algorithme, on divise par deux les nombres. En gros, on divise, disons en gros, à chaque étape, on divise par deux le nombre. Ça ne se passe pas toujours aussi bien que ça. Mais ça veut dire que ce zéro où l'algorithme se termine, ben ce zéro, on l'atteint en un nombre logarithmique d'étapes. Combien il faut de division par deux pour atteindre le plancher? C'est le log en base 2 de mon nombre. Donc on peut calculer ça de manière beaucoup plus précise. C'est ce qu'on appelle le théorème de Lamé, qui dit que le nombre, que l'algorithme d'Euclide termine en une constante fois un des deux nombres, fois le logarithme d'un des deux nombres. Et si vous feuilletez des livres d'informatique, vous allez voir que l'algorithme d'Euclide termine en temps polynomial. Ça m'avait beaucoup choqué au début quand j'étudiais l'informatique d'apprendre que le logarithme est un polynôme. C'est pas ça qu'on apprend en classe. Hein. Alors d'où vient ce mystère? Ce mystère vient du fait qu'il faut définir les choses un peu proprement. Voilà, j'ai mis le point d'exclamation, parce que log, c'est pas un polynôme. Si on définit les choses proprement en algorithmique, on se pose un problème. Donc le problème, j'ai mis l'instance et une question. Donc ici, c'est deux nombres, l'instance. Et là, le nombre quelconque, et la question, c'est calculez-moi le PGCD. Après, j'ai un algorithme, suite d'opérations qui répond à la question instance, ça, tout le monde sait ça. Et la complexité de l'algorithme, donc son temps de calcul, bah, c'est une fonction qui est associée à tout entier n, le pire temps de calcul, pour toutes les instances de taille n. Et là, c'est le diable qui transforme les logarithmes en polynômes, il se cache dans cette taille n. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pour des raisons historiques, mais oui. Je comprends pas ce que c'est le A qui est là-haut, là. On calcule le PGCD de A et B. Et ça se fait en log A étape. En fait, ça se fait log minimum de A et B. Au pire, c'est log de A. Oui. Comment ? Dans ton algorithme, c'est plus simple si A est plus long que B. Oui, mais si c'est dans l'autre sens, ça marche aussi. On perd une étape au début de la première étape et on revient dans l'autre sens. Si A est minuscule, vous allez me dire, si A est minuscule, ça termine tout de suite. Donc, si A égale à 0, log de 0, si A égale à 0. Allez, A n'est pas égal à 0. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, c'est-à-dire que je donne à mon ordinateur quelque chose à manger, qui va mouliner un certain temps. Mais ce qui compte, c'est la taille de son repas, la taille de ce que je vais lui donner à manger. Donc l'encombrement mémoire en machine. Or, quand je donne un nombre, si je donne 10 milliards, bah, 10 milliards, ça a 10 chiffres. C'est ça la taille du truc. Donc c'est quoi la taille? C'est le nombre de chiffres. Nombre de chiffres en base 2, si vous voulez. Nombre de chiffres en base 10. Ça ne fait pas une grosse différence. Mais le nombre de chiffres d'un nombre, bah c'est justement son logarithme. Le logarithme en base 10, si j'ai 10 puissance 1000, bah ça va faire 1000 chiffres. Donc si je veux retrouver le nombre de chiffres, c'est le logarithme en base 10. Alors c'est une façon intéressante de définir à la louche le logarithme. Quelqu'un qui ne saurait pas ce que c'est, on peut toujours lui dire bah, c'est à peu près le nombre de chiffres du nombre. Avec ça, on récupère déjà tout un tas de résultats sur le logarithme que ça tend vers l'infini. Évidemment, plus un nombre est grand, plus il a de chiffres, mais que ça tend vers l'infini très très lentement. Parce qu'un nombre gigantesque, son nombre de chiffres, il reste quand même raisonnable. Donc en tout cas, l'algorithme d'Euclide, il marche en log A étape, mais log A, c'est un polynôme dans la taille, c'est un polynôme en log A. Non, c'est un polynôme constant, c'est un X.
Donc c'est bien un algorithme en tant que polynomial, mais le polynôme, il est dans la taille de ce qu'on donne. Donc il faut beaucoup se méfier, hein, si vous vous faites... c'est assez facile de faire programmer des jeunes programmateurs un algorithme qui décide si un nombre est premier, par exemple. Un nombre est premier, mais il suffit d'essayer toutes les divisions, voir si elles tombent juste. Donc on peut voir que mon nombre c'est n, donc je vais faire ça, vraiment si je suis très bête, je vais faire en n étapes. Si je suis un peu plus malin, je m'arrête à n sur 2, parce que je sais bien qu'après je ne vais pas trouver de diviseur. Si je suis encore plus malin, je m'arrête à racine carrée de n, parce que c'est pas possible que tous les diviseurs soient plus grands que racine carrée de n. Il y en a forcément un qui est avant. Mais tout ça, c'est pas polynomial. C'est pas polynomial parce que ce qui compte, c'est le logarithme de mon nombre. Donc log a, c'est un polynôme, mais n, c'est une exponentielle. Quand je donne un nombre n et que je fais un algo en n étapes, c'est un algo qui est en temps exponentiel. Puisque n, c'est une exponentielle du logarithme de n. C'est e puissance log de n. Voilà, c'est juste pour dire que ces histoires de complexité, on compte des opérations, mais c'est un peu subtil sur les notions. Il faut faire un peu attention à ces notions de temps polynomial. Pourquoi j'ai mis temps polynomial? Parce que, c'est un peu... on estime qu'un algorithme en temps exponentiel, c'est lent. 2 puissance n, ça va vraiment devenir gigantesque quand on grandit. Un algorithme en temps polynomial, c'est un peu plus rapide. Bon, évidemment, si c'est n puissance 1000, ce ne sera pas génial. Voilà, c'est un peu des échelles classiques qu'on donne sur les temps d'exécution de polynômes. Donc là, on a un peu vu le théorème d'Euclide, l'algorithme d'Euclide de manière informaticienne, disons. Et on a vu déjà ce que j'appelle la philosophie générale de l'optimisation combinatoire. Donc optimisation combinatoire, c'est une science qui est à cheval sur l'informatique et les mathématiques, qui cherche à optimiser les paramètres, disons, on cherche des maximums, des minimums. Et la philosophie générale, c'est qu'avoir un bon algorithme, avoir un double certificat, un min et un max qui se certifient l'un l'autre, avoir donc une dualité, avoir un algorithme en temps polynomial, toutes ces choses ont l'air de marcher ensemble pour un certain nombre d'algorithmes classiques. Et là, je vous ai donné un exemple. Donc cette remarque, disons, qui émerge d'algorithmes existants, cette remarque, elle a été formulée pour la première fois dans les années 1960 par un chercheur qui est encore vivant, qui s'appelle Jack Edmonds. Je vous ai trouvé une photo de lui. Je n'avais pas pensé à préparer ça. Ah oui, je vous ai mis la page web. Voilà, c'est Jack Edmonds. Vous trouvez plein de choses sur lui sur Internet. Il est encore actif actuellement. Voilà, il dit que les mathématiques, c'est marrant si vous ne laissez pas les mathématiciens vous embêter quand vous en faites. Je sais pas si vous agréez à cette citation, c'est pas de moi. Hein. Voilà, donc c'est lui qui, dans les années 1960, a remarqué qu'il y avait un certain nombre de problèmes comme ça, qui s'est bien certifié, qu'il y avait des algorithmes rapides, et qui s'est demandé si ce n'était pas général. Alors, le problème principal de ce type-là, à l'époque, dont je ne vais pas parler, c'est la programmation linéaire. Ça maximisait des fonctions linéaires sous contraintes linéaires. À cette époque, ce n'était pas connu qu'il y avait un algorithme en temps polynomial pour ça. Ça a été découvert à la fin des années 1970. Donc c'était un peu un prophète, Jack Edmonds, qui s'est mis à dire, voilà, tous ces trucs-là devraient aller ensemble. Ça s'est très bien vérifié par la suite. Pas toujours, pas partout, mais dans les grandes lignes. Je voulais vous parler d'un autre truc. Je me suis dit, maintenant qu'on a vu tout ça, on va réinvestir tout ce point de vue de dualité, de certification des preuves sur un truc très simple qui est la résolution de systèmes linéaires. Des équations linéaires à plusieurs variables, il faut les résoudre. Donc on sait tous faire ça. Est-ce que ça rentre dans le cadre de cette jolie histoire que je vous ai racontée? Et est-ce qu'il y a ce point de vue informaticien sur la question? Alors,
que le support d'une, j'ai une ligne de ma matrice, son support, c'est les indices des éléments non nuls. Et le pivot de Gauss, donc je ne détaille pas ce qu'est l'algorithme du pivot de Gauss, mais vous savez tous qu'on peut éliminer des trucs dans les lignes par des opérations élémentaires qui font un système équivalent. Et ce qu'on arrive à faire à la fin, c'est à ramener tout système, je peux le mettre sous une forme, ou A. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit. A, ce n'est pas forcément une matrice, une jolie matrice triangulaire. Parce que des fois, il y a plusieurs trucs qui s'annulent, par exemple. On veut éliminer un machin, puis il y en a d'autres qui s'éliminent. En fait, ce qu'on obtient, c'est une matrice comme ça. Généralité, j'ai une certaine ligne, ça c'est des choses non nulles, après c'est nul, puis j'ai une autre ligne, mais après ça peut être comme ça, c'est pas régulier quoi, après c'est comme ça, ça j'ai plein de trucs qui tombent à zéro. Des fois j'en ai plusieurs, et puis des fois j'ai peut-être des lignes carrément à la fin où il reste que des zéros. On appelle ça une matrice échelonnée. C'est une matrice, c'est pas forcément un gros triangle, mais la matrice, j'arrive à la ramener sous une forme où chaque support il est strictement inclus dans le support des lignes au-dessus. C'est ce que j'ai écrit. Sauf les lignes nulles, mais celle-là n'est pas strictement son support, il est égal à celui des lignes au-dessus. C'est-à-dire que quand j'arrive à des lignes nulles, c'est fini, il n'y a plus de simplification. Puis un système comme ça, ça se résout très facilement, parce que là, mes variables sont complètement libres. Je veux que ce soit. On va simplifier les choses. La seule question qui nous intéresse, c'est est-ce que oui ou non il y a une solution dans le système. Donc là, j'ai envie de dire ça, c'est quoi? C'est une variable y, ça, c'est une variable z. J'ai ay plus bz égale quelque chose. Et c'est évident qu'il y a une solution, c'est une équation linéaire. Et puis cette solution-là, bah, je peux la remettre ici pour déterminer la valeur. Une valeur possible pour les autres variables, et je remonte jusqu'en haut et je trouve une solution. Donc j'ai envie de dire que tout système linéaire a une solution, d'après le pivot de Gauss. On sait bien que c'est pas vrai, on sait bien que des fois on écrit un système et il n'y a pas de solution. On a l'impression qu'il y a toujours une solution si j'écris une matrice comme ça. Alors, il y a un seul cas où il n'y a pas de solution. Quelqu'un voit. Il y a un seul cas, il y a un seul truc qui peut rater, quoi, qui ferait qu'on ne trouve pas de solution. C'est si je trouve des lignes avec 0 et que je dis que c'est égal à un truc qui n'est pas 0. Si ça n'arrive pas, le pivot de Gauss me donne une solution. C'est assez intéressant, c'est un peu comme le zoo, quoi. C'est que j'ai un algorithme. Bon, le PDCD, ça existe toujours. C'est une question d'une nature un peu différente. On se demande s'il y a une solution ou pas. Mais j'ai un algo qui me la trouve toujours, sauf si un truc. Donc en fait, on a, voilà, tout système linéaire aurait-il une solution? Évidemment non. Mais en fait, ce qu'on a démontré, c'est ce théorème qui n'est pas du tout connu. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas, enseigné. Il n'est pas enseigné parce que ce n'est pas des informaticiens qui font cours. C'est le théorème de Fred Holm qui dit qu'un système linéaire, ou bien il y a au moins une solution, ou bien j'ai une combinaison linéaire des équations du système qui me donne 0 égale b, avec b un réel non nul. On a encore une fois un théorème qui se démontre par un algorithme. Et alors là, ce qui est remarquable, c'est que vous avez un. Ouais, ce théorème, il ne paye pas de mine. Mais en fait, si on ne connaît pas le pivot de Gauss, si on ne sait pas résoudre les systèmes, ça n'a rien d'évident. Il se pourrait très bien qu'un système n'ait pas de solution pour une raison obscure. Mais là, si je vous montre une combinaison linéaire des lignes, je vous dis, vous avez une solution à votre système. Appliquez la combinaison linéaire et vous avez démontré que 0 est égal à 3. Bon, ben c'est évident que le système n'a pas de solution. Donc vous avez ce qu'on appelle un certificat. Donc on est de nouveau dans cette même situation où j'ai un algorithme, peut-être très compliqué. Imaginez, vous voulez résoudre un système. C'est important pour des raisons pratiques. Il n'y a pas de solution. C'est très ennuyeux. Est-ce que vous allez vérifier votre code? Est-ce que vous allez vérifier qu'il n'y a pas une panne de courant pendant l'exécution, etc.? C'est très très difficile de certifier, d'être vraiment sûr qu'il n'y a pas de solution. Sauf si votre programme est bien fait, et que votre programme vous donne à la fin cette combinaison linéaire des équations, qui fait 0 égale 3. Et cette combinaison linéaire vous certifie que le système n'a pas de solution. À la limite,
limite, c'est pas un mauvais exercice de programmer ce théorème, dire que le système de 2 ou 3-3, évidemment, ça marche. Et c'est des choses très très basiques. Donc c'est un théorème qui est vraiment de nature informatique, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Si vous regardez le problème des systèmes linéaires, c'est un problème bien certifié. Alors on dit qu'il y a un la question, c'est y a-t-il une solution ? Donc il y a un certificat du oui. Certificat du oui, ça veut dire un truc que je vous donne, et c'est très facile avec de vérifier que la réponse est oui. Ce truc, c'est une solution. Vous pouvez essayer x égale 3, y égale 5, vous voyez bien que c'est une solution. Mais il y a aussi un certificat du non. Pardon, je me suis trompé. Il y a aussi un certificat du non qui est la combinaison absurde des deux. Alors, qu'est-ce que je voulais encore raconter ? Oui, voilà. Donc ces problèmes de type oui-non, où il y a un certificat du oui. Par exemple, résoudre des systèmes linéaires. C'est une classe. Alors, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous donner les définitions rigoureuses de ce qu'est vraiment un problème, une instance, une question. C'est assez embêtant à définir, parce que ça se définit avec ultimement des 0 et des 1, des modèles abstraits d'ordinateurs, c'est ce qu'on appelle l'informatique théorique. Mais sur des problèmes mathématiques concrets, on voit bien comment ça marche quand même. Vous voyez bien qu'il y a des problèmes, il y a un certificat du oui. Quand je résous une équation, s'il y a une solution, c'est peut-être très très compliqué de la résoudre, mais s'il y a une solution et que je la donne à quelqu'un, il peut très facilement vérifier que c'est une solution. C'est ce qu'on appelle un certificat du oui. Le problème des systèmes linéaires a aussi un certificat du non. Ça, c'est pas du tout évident, par contre, mais on l'a démontré. Il y a bien un moyen d'être certain que le problème n'a pas de solution. Donc ces deux classes de problèmes, les problèmes avec certificat du nom, on appelle ça des problèmes NP. Alors le nom, c'est le NP, ça veut dire non-déterministique polynomial. C'est un nom très très mal choisi. Je crois que la personne a commencé dans des brouillons, puis tout le monde s'est mis à le répéter. C'est des trucs qui ont été définis au début des années 70 par Cook, qui a défini ces cas, un informaticien canadien. Qui s'appelle Cook, qui est aussi actif encore. Il a défini cette classe de problèmes et il a défini la classe CoNP, qui sont des problèmes avec des certificats. Et je ne sais plus ce que je voulais dire après. Et donc on retrouve notre Jack Edmond, qui avait fait cette philosophie générale de l'optimisation du comptoir. Il s'est dit, alors ça date de 1965, cette question. Je vous ai dit que ça datait des années 70, la classe. Il faut voir que ces choses de recherche, ça n'avance pas toujours dans le bon ordre. C'est-à-dire que Jack Edmonds a posé les questions, comme je le fais moi ici, sur des définitions informelles. Des choses un peu vagues. Et Cook, quelques années plus tard, a posé les choses de manière formelle, bien définie. C'est pour ça qu'il y a des overlaps un peu bizarres dans les dates. Mais Edmonds a conjecturé que les problèmes qui ont un certificat du oui et un certificat du non, où j'arrive à certifier les deux cas, ont un algorithme efficace. Efficace, la définition de l'efficace, c'est qu'il marche en temps polynomial, comme on a vu pour l'algorithme de Tout. Et ça, c'est donc la fameuse conjecture NP intersection CoNP égale 1. Les problèmes où j'ai le oui et le non, je peux les résoudre de manière efficace. Très très belle question, non résolue à ce jour. Personne ne sait si, en toute généralité, ce truc-là est. À ma connaissance, il n'y a plus aucun. Parce qu'on pourrait se dire, si c'est faux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème qui est méchant. Un problème qui est dans NP, qui est dans CoNP, mais pourtant, je n'ai pas de méthode rapide. Des problèmes comme ça, il pourrait y avoir des candidats. C'est-à-dire des problèmes pour lesquels on ne sait pas s'il y a une méthode rapide, on espère qu'elle existe. Donc pendant des années et des années, ce candidat naturel, c'était le problème des nombres premiers. Donne un nombre, est-ce qu'il est premier ou non ? Alors, est-ce que c'est un bon exercice ? Est-ce que c'est dans NP ? Est-ce que c'est dans CoNP ? Est-ce que je peux certifier qu'un nombre n'est pas premier, par exemple ? Ben oui, il suffit que je donne un diviseur. Je dis, regardez, c'est divisible par 3. Vous voyez bien que c'est pas le premier. Est-ce que je peux certifier qu'un nombre est premier ? Là, c'est beaucoup plus délicat.
comment je peux vous convaincre qu'un nombre est premier? Moi, je ne connais pas de méthode. Alors, moi, j'en connais pas, mais des mathématiciens très habiles ont fait un théorème disant que oui, on peut certifier qu'un nombre est premier en montrant plein de trucs très compliqués. Et donc, pendant des années, le problème était dans NP, interco-NP, mais on ne savait pas s'il était dans P. Jusqu'à ce qu'une équipe de mathématiciens indiens, c'est en 2000, je crois, en 2004, au début des années 2000, ont trouvé enfin un algorithme en temps polynomial qui permet de décider si un nombre est premier ou pas. En temps polynomial, ça veut dire en temps logarithme du nombre. C'est facile de faire un nombre n avec n divisions, je vois s'il est premier ou pas. Eux, ils ont fait avec log et de n opérations. Il paraît que c'est pas si compliqué. Donc on pourrait se dire, voilà, le nombre premier c'est fait. La programmation linéaire dont je vous ai parlé, c'est dans P, interco NP. Le certificat du nom, c'est le théorème de Farkas, vous avez peut-être vu ça. Vous avez le PGCD, alors c'est pas un problème oui-non PGCD, mais disons qu'en gros ça tombe dans cette même classe de problèmes, vous avez à la fois, vous pouvez certifier dans les deux sens et faire en temps rapide. Bah, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a plus aucun candidat naturel, il y a peut-être des problèmes exotiques très bizarres, mais il n'y a plus aucun grand problème qui est dans NP, dans CoNP, donc il ne sait pas qu'il est dans P. Donc la conjecture est en quelque sorte résolue en pratique sur les exemples de problèmes qu'on a, mais c'est pas dénoté. Les systèmes linéaires, on pourrait croire que c'est connu depuis Gauss. J'ai regardé un peu l'histoire des maths en préparant. En fait, résoudre les systèmes linéaires par des méthodes du type pivot, les Chinois savaient le faire il y a 2000 ans déjà. Et le pivot de Gauss, c'est pas Gauss qui l'a inventé, c'est déjà dans des papiers de Isaac Newton. Enfin, c'est des machins super anciens, tout ça. Des trucs vieux de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et si vous comptez le nombre de pivots qu'il vous faut, vous allez voir que c'est assez faible, en fait. C'est-à-dire que votre matrice, elle a n lignes. Bon, bah, au pire, vous allez faire n-1 truc pour vous débarrasser d'une colonne, puis après... Tout ça, ça va être un polynôme, le nombre d'opérations qu'il vous faut, ça va être un polynôme dans la taille de ce que vous avez. Et là, la taille, c'est vraiment la taille de la matrice aussi. Parce que si vous voulez une matrice 1000-1000 dans un ordinateur, vous avez vraiment besoin de 1000 fois 1000 cases mémoire. Il n'y a plus de log. Là, c'est vraiment la taille de la matrice, la taille. Et pourtant, il y a un petit problème auquel on ne pense pas. Parce que quand on fait le pivot de Gauss, à chaque fois qu'on fait des opérations, on va diviser, on va faire des divisions. Alors disons, pour simplifier, on se place dans le cadre des nombres entiers au départ. Mais évidemment, petit à petit, il va y avoir des nombres rationnels qui vont apparaître, parce qu'on va te faire des divisions, et puis ça risque d'exploser tout ça. Qu'est-ce qui me prouve que mes nombres ne vont pas devenir vraiment gigantesques, et que faire chaque multiplication, division de nombres ne va pas finir par être tellement lent que ça va me ralentir mon algorithme. Donc l'efficacité, la véritable preuve de l'efficacité du pivot de Gauss, il faut aussi vérifier cette explosion des coefficients. Et ça aussi, c'est très peu connu. Ça a été fait par Jack Edmonds en 1967. C'est-à-dire que cette méthode vieille de plusieurs siècles, plusieurs millénaires, son efficacité dans les moindres détails n'a vraiment été prouvée que dans les années 60 par quelqu'un qui est encore vivant aujourd'hui. Je trouve ça assez remarquable. Si vous êtes vraiment très curieux de tout ça, il y a un très bon bouquin d'un auteur qui s'appelle Schreiber. Schreiber, c'est le monsieur d'un petit livre. Donc en fait, cette question de savoir si NP interco NP est égal à P, c'est une question qui est encore ouverte. Mais finalement, en fait, il y a une question qui est. C'est une question qui n'est pas très connue, NP interco NP égale P. Elle n'est pas super connue, j'en ai jamais entendu parler dans la presse, même dans la presse scientifique, dans la presse de vulgarisation.
Par contre, il y a une autre question qui est extrêmement célèbre, c'est est-ce que P est différent de NP? Alors, je vais vous faire une petite figure. Résoudre en temps polynomial, en fait, d'une manière formelle, même si c'est pas très joli, la trace de l'exécution de l'algorithme peut servir de certificat. Évidemment, ça contredit un peu tout ce que je vous ai dit, parce que c'est pas percutant. Évidemment, il n'y a pas dans toutes ces théories mathématiques, il n'y a pas de définition de ce qui est beau ou ce qui n'est pas beau. Ce qu'on a, c'est des choses petites, compactes, de taille polynomiale. Mais disons qu'avec les définitions formelles, c'est évident que P se trouve. C'est évident que tous les problèmes de P vont se trouver un peu latent. Donc la conjecture qui dit que NP interco NP vous dit que cet espace ici est vide. Mais il y a une autre conjecture qui est P égale NP qui dit qu'en fait tout est vide. C'est-à-dire que tout problème avec un certificat du oui, je peux le résoudre rapidement. Je n'ai même pas besoin de savoir qu'il y a un certificat du oui. Personne n'est capable de montrer ça. Personne n'y croit. Parce que je vous ai dit que les problèmes. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de candidat naturel pour être là. Ça veut dire qu'un problème où je certifie le oui et le non, en pratique, on sait toujours bien le résoudre. Mais par contre, ici, il y a une foultitude de candidats. C'est-à-dire qu'ici, pour être. Je ne sais pas si c'est vite ça, mais on a des problèmes qu'on ne sait pas résoudre rapidement. Alors qu'on a un certificat, on en connaît, il y en a des livres entiers. Il y a la coloration de graphe, par exemple. Je vous donne un graphe, vous trouvez la coloration optimale. Et puis un certificat du oui, c'est évident. Je vous dis, regardez, voilà une coloration. Mais si je vous dis, je ne sais pas, vous prouvez qu'un graphe, on ne peut pas le colorier avec 5 couleurs, à part à tout essayer, ça va prendre du temps à faire. Donc en fait, on pense que la coloration de graphe, c'est ici. On se dit, il y a tellement de gens malins qui ont essayé de le résoudre rapidement, s'ils n'y sont pas arrivés, ça ne doit pas être possible. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été dit pour la première fois dans un article de Jack Edmonds. Donc en fait, on pense que ces deux classes-là, NP et P, sont différentes. C'est la fameuse conjecture, vous avez probablement entendu parler, P est différent de NP. Voilà. Eh bien, j'ai fini plus tôt que prévu, non? Je ne sais plus, c'était prévu à quelle heure à la fin? Un quart d'heure d'avance, c'est ça.